OPT, le monde à portée de main. Le sixième Tigasport qui reçoit le quatrième Horizon Passau. C'est la seconde affiche télévisée que l'on vous propose pour cette 17e journée de Super League en direct sur les antennes de Pacific Plus et sur le web, la FCF TV Web. Bonsoir à tous et à toutes pour celles et ceux qui nous rejoignent. Effectivement, un match là encore important dans le haut du tableau avec d'un côté Tigasport, John qui va essayer de continuer, de poursuivre sur sa montée en puissance, cette bonne dynamique qui lui fait remonter au classement. Et puis de l'autre côté, depuis un mois et demi, c'est plus compliqué pour l'Horizon Passau. Et c'est un autre profil de match, pas comme celui qu'on a vu avant, où il y a se battre pour sortir d'une zone. Là, on est en train de se battre pour essayer de ne pas descendre et essayer de grimper aussi. Donc oui, ça va être un match qu'il va falloir suivre de très près. Ouais, on espère en tout cas voir du beau jeu ce soir entre deux belles équipes. L'Horizon Passau qui a réalisé vraiment une très belle première partie de saison. Et puis l'équipe de Toka, championne en titre, qui a eu un peu plus de mal, qui revient bien quand même dans la partie, qui peut aussi espérer voir une dernière ligne droite intéressante et pourquoi pas aller chercher à conserver son titre ou au moins, au minimum, essayer de retrouver cette Ligue des champions océanienne. Oui, deux équipes, une équipe qui a été déstabilisée ou j'espère pas, mais qui pourrait être déstabilisée par ce qui s'est passé il y a quelque temps, en tout cas en coupe. Donc l'Horizon Passau. Et puis une autre équipe, Tiga, qui a découvert la O-League, qui a subi, donc avant de partir au Vanuatu, trois semaines sans match. Et après, ils partent au Vanuatu, ils font le déplacement, ils jouent, ils reviennent. Surcharge, beaucoup de blessures. Donc il va falloir maintenant trouver l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire, enfin leur objectif du début de saison. Eh bien, on va rentrer dans cette rencontre et on va voir un peu quels sont les systèmes de jeu choisis par les deux coachs du jour et puis quels sont surtout les 11 mis en place pour cette rencontre de la 17e journée, je le rappelle, avec du côté de Tigasport, Léo Lopez, qui repartira forcément sur son 3-4-3 avec une défense Henri Ouellet-Pan, Joël Wakanumune, Morgan Matelon, qui descend d'un cran. Dans les buts, vous le voyez, Jean-Yann Dounézek. Et donc, on aura à la récupération, en tant que relais du milieu de terrain, Pierre Wawoya et Kevin Nalain aujourd'hui. Et puis devant, pas trop de surprises, avec ce trio actuel d'attaquants qui est emmené par Ouellet-Pan, Wayaridri et le puissant avant-centre Jacques Poitron. Et c'est une équipe qui a bien suggéré son temps de jeu il y a deux semaines face à l'AS Cougnier, qui a su sortir vainqueur d'une situation assez difficile, avec leur remplaçant Jean-Jacques Berounet d'ailleurs. Et puis donc on va voir comment cette équipe va aborder et quelle approche ils vont entreprendre pour justement contre cette équipe de l'Horizon Passau. Ah ben, l'Horizon Passau qui elle aussi va proposer une belle équipe, un beau visage en tout cas sur le papier avec... Donc, vous le voyez dans les buts, Washetin, ça ne bouge pas. Cette défense à 4, Aiwegene, Wanes, Wakanumune, Luther qui descend d'un cran et Dylan Mahé. Et puis, on aura au milieu de terrain, forcément, ce capitaine Georges Béarounet à la baguette devant Jean-Paul Wamedjo, deuxième meilleur buteur de la saison pour l'instant. Une équipe de Passau qui a fière allure et qui va essayer de un peu mettre fin à cette... série de non-victoires en Super League. Même si c'est une équipe, l'Horizon Passau, qui fait partie des équipes qui offensivement, peuvent proposer quelque chose. Hein. Ils ont 30 buts en 16 journées. Comparé derrière, devant eux, on a Magenta et Yengen, hein, qui pointent devant avec 37 buts marqués dans la saison. Enfin, Magenta plutôt, pardon. Donc, c'est une équipe qui, offensivement, a des choses à... D'ailleurs, Jean-Paul Wamedjo est le... fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat.
Mais après, c'est défensivement où, quand même, on a un adversaire qui est intéressant, Tigaspor, qui défensivement a pris 11 buts en 14 journées, ce qui fait d'elle la meilleure défense de ce championnat. À l'aller, les deux formations avaient fait match nul 0-0 du côté de Nengoné au stade de La Roche. Et puis c'est vrai, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. On l'a dit aussi, Tiga a su se relancer en championnat. Et puis il y a cette affaire un peu délicate du côté de l'Horizon. En coupe, hein, tout le monde l'a vu, ça avait buzzé sur les médias. Donc c'est vrai que c'est pas évident aussi, John, pour les joueurs de l'Horizon, de faire abstraction de ça, parce qu'il y a eu tout cet abattage médiatique. Voilà, les joueurs doivent maintenant laisser ça derrière eux, derrière le club, et les instances dirigeantes du football calédonien feront ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai que, en tout cas, au niveau des joueurs, il faut garder cette concentration du terrain. Oui, garder la concentration. Et puis, d'autre part, il y a ce poids maintenant pour cette équipe de l'Horizon Patho et tout le staff de venir jouer à chaque fois ici à Nouma Délé. Et ouais, parce donc c'est une difficulté en plus, hein, à la fois physique et morale. C'est en tout cas une des premières mesures qui a été prise par la fédération, c'est de dire que le stade de La Roche, hein, du côté de Marais, en tout cas en Super League, et en compétition fédérale, ne serait plus utilisé jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que finalement l'enquête entre guillemets soit faite. Voilà. Et donc, les décisions rendues. Donc oui, donc c'est un poids en plus pour ces joueurs. En tout cas, faudrait pas que le staff le fasse ressentir, mais bon, ici c'est pas comme ça. C'est tout le monde qui participe justement à faire progresser une équipe, à la faire évoluer. Donc oui, c'est un aspect qui est important aussi à prendre en compte pour cette équipe de l'Horizon Patho. Ouais, et puis il faudrait pas que ça vienne gâcher justement cette belle saison que sont en train de réaliser les Maréens. On les avait vus il y a 2019. Finir barragiste et puis 2020, aller chercher cette deuxième place qualificative pour la Champions League. C'était en 2019 parce que ça a été ensuite bloqué par le Covid, hein, cette première participation en Ligue des Champions océaniennes. Donc il faudrait vite se recentrer sur ce qui est bien fait du côté de l'Horizon Patho. Le club mérite aussi de justement retrouver les sommets de ce championnat. Donc on l'espère en tout cas pour cette équipe maréenne. En tout cas, ça passera par faire un bon résultat face à Tiga ce soir. Ouais, on va voir leur force mentale, cette capacité à réagir face à des situations qui les mettent en porte-à-faux ou en difficulté. On l'a vu pour Tiga, il y a 2 semaines, où ils ont su rebondir, sortir... un jeu qui a pu les mener à la victoire, cette capacité mentale à pouvoir réagir. On va voir aujourd'hui ces deux équipes, comment elles vont se comporter, qui n'ont pas les mêmes objectifs, parce que ils jouent pour essayer d'accrocher le wagon de tête, comparé au match juste avant qu'on a vu. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous offrir une belle rencontre aujourd'hui. Malgré, du côté de Tiga, un remaniement, on le voit encore, hein, à cause des blessures, remaniement au niveau tactique, pas sur la formation en elle-même, mais sur les joueurs qui sont placés pour occuper les postes derrière ou au milieu, ou comme devant, parce qu'on n'a plus d'attaquants. Alors, en tout cas, les deux formations qui ont fait leur entrée sur la pelouse de Nouma Délé, c'était bien en 2020 que l'Horizon Patho avait... cette deuxième place, cette place de vice-championne de Calédonie. Malheureusement, ça n'avait pas abouti à la Champions League océanienne pour cause de Covid. Steve Waupi est capitaine aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être quelques changements du côté de ce dispositif mis en place au niveau du staff maréen. Pas eu trop d'infos, faut dire. En tout cas, c'est bien Steve Waupi, le capitaine, et il devrait jouer à la récupération aujourd'hui, à voir. Peut-être qu'il y aura un Luther Wakanamune au milieu de terrain. On va voir ça un peu, comment déjà se positionnent dès le coup d'envoi ces joueurs maréens. Ah, ça, lui, c'est pareil, c'est un joueur de devoir, hein, Luther. J'aime voir évoluer au milieu. C'est un poste où je ne l'ai pas vraiment vu jouer, ce poste de défenseur axial. Mais... sous le regard du trio arbitral. Voilà, Bruno Maroy, Roger Ruggiorigio et Jean-Pierre Samindadin qui enchaînent donc un second match. On félicite Jean-Pierre Samindadin
qui avait donc comblé une absence sur le premier match. Alors que donc les deux coachs qui viennent au bord du terrain, alors il me semble que Sagitt c'est Sagitt Wayewol. Coach de l'Horizon Passo. Leonardo Lopez. Et Leonardo Lopez. Ouais, beaucoup de discussions avec les anciens là qui donnent de la voix du côté de cette équipe de Marais. Et le cri de guerre aussi du côté de Tiga. Tiga qui a toujours deux matchs en retard. Tiga qui a toujours l'opportunité de pouvoir faire partie des 3-4 premiers. Pour l'instant, ils sont à deux marches. En marche de la troisième place. Accroché ce wagon qui se détache de plus en plus. Mais on va pouvoir justement voir les ambitions de ces deux équipes en fonction du comportement qu'ils vont avoir aujourd'hui. Et la petite fraîcheur aussi qui va continuer de tomber. Hein, petite, très gentille, je pense. C'est grosse fraîcheur. Grosse fraîcheur actuellement, c'est sur tout le pays. Le vent est toujours aussi fort. Il est en continu. Quelques rafales. Alors pour celles et ceux qui sont au chaud à la maison, on vous souhaite un bon match et. On espère que vous êtes bien installés pour nous suivre et on va féliciter forcément les supporters, supportrices. Ils sont une petite centaine à être venus au stade. Et moi, je rappelle juste, parce que d'ailleurs, j'ai vu les garçons de Cougny à l'aérodrome de Magenta. Ils m'ont dit tu vas pas trop nous casser, s'il te plaît. Mais je sais pas. Si vous pensez que c'est ça, je parle de ma vision du football, je commente ce que je vois. Puis... Après, peut-être des fois que, je sais pas, je dis des mots qui correspondent pas ou qui froissent certaines personnes, mais le but du jeu, c'est ça, c'est de trouver des supports et c'est de commenter ces supports pour que ça soit bénéfique. Utile, bénéfique pour ceux qui la regardent. Et c'est de se remettre en question sur nos qualités, sur nos capacités et les potentiels qu'on peut avoir pour faire évoluer le football ici en Calédonie. Après, on sait bien, on ne peut pas plaire à tout le monde forcément, mais en tout cas de vous fournir nos analyses, travailler et puis. De toute façon, qu'on soit football. Ça, tous les commentateurs, en gros, je crois, ils ne sont pas tous aimés à 100%. Ouais, ce serait pas marrant aussi. En tout cas, voilà, on revient au match. Tiga. C'est parti. Avec cette touche pour Henri Willepan. Alors c'est vrai que Tiga, je le disais, sur une bonne dynamique. Tiga qui reste sur 3 victoires en championnat face à Nejeu 2-1, face à Wanono 4-1 lors de la 15e journée. Et Cougné. Puis Cougné, plus dernièrement, lors de la 16e journée. Une victoire 2 buts à 1. Il y avait aussi eu ce match nul entre temps, un but partout face à Cougné. Tiga ne perd plus et Tiga remonte tout doucement au classement. Les hommes de Léo Lopez qui vont vouloir forcément continuer sur cette dynamique. Et puis c'est un peu l'effet inverse du côté de l'Horizon Passo. Donc l'équipe marienne ne gagne plus en championnat. Depuis la 11e journée, une victoire 2-1 face à Lossi. Ça commence à remonter. Mais ça peut descendre très vite. Bah c'est simple, la 11e journée, c'était fin mai, en championnat. Hein, donc, c'est un peu plus dur pour l'équipe marienne, qui a enchaîné aussi serré un calendrier assez compliqué. Il y a eu ces matchs nuls contre Le Mans d'Or et Magenta, qui ne sont pas des mauvais résultats. Puis après, il y a eu une défaite face à Gaïcha, suivie d'une défaite face à Yengen. Et puis ce dernier match nul face à Wetsch la semaine dernière. Donc c'est vrai que... pas eu un calendrier facile pour l'équipe marienne. Non, mais ça pourrait se compliquer pour Tiga parce qu'ils viennent de... On a Waiso.
Jacques Watron qui est au sol et qui peut plus se lever. Alors on sait qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures tout au long de la saison. Cette équipe de Tigaspor, ça serait malvenu. Alors apparemment c'est un coup. Ça va, on espère aller. Ouais, ça. Ah ça va. Bien. Il s'est remis sur pied. Ouais, donc un petit message aussi d'encouragement à tous nos joueurs blessés de l'élite et plus généralement du football calédonien. On vous souhaite un bon établissement. Et puis à ces joueurs de Tigaspor, David Berronet et Willy Mossé, qui étaient blessés gravement, l'un au bras, l'autre tibia péroné. Donc on les salue et on leur souhaite un prompt rétablissement forcément. On espère vite les retrouver sur les terrains de Super League. Attention à ce ballon qui traîne dans cette surface de réparation. Première alerte sur première alerte. Jean-Yann Dounézek. Ah non. On avait l'impression que c'était contré, mais non. Et ça repart avec Morgan Matelon, attention. Ouais, nouveau poste pour Morgan Matelon. On voit qu'il y a un joueur polyvalent, mais là il s'est pas mis en confiance sur ce premier contrôle. Alors c'est bien. Steve Waopi côté marien qui va jouer dans l'axe central de cette défense. Et Luther hein, qui sera au milieu de terrain. Luther Okanumune. Ce que tu préconisais avant le match. Ouais, Luther au milieu, c'est bénef hein, pour l'équipe. Autant exploiter un joueur où ses qualités vont être mises en lumière. Il va pouvoir apporter un capital bénéfique à son équipe que. Ouh, super balance. Superbe. C'est bien frappé au sol, fort. Après, frapper le cadre, mais. Pas que ça. Ouais, et puis il a cette capacité, Georges Berronet, va que ça, de pouvoir enrouler ses ballons forts, de pouvoir taper coup de pied. Voilà, c'est un peu. Avec sa souplesse de cheville, il a vraiment une qualité technique sur coup franc qui est en norme. En tout cas, qui est très rare. Et du coup, il peut utiliser toute la surface. Le coup du pied, l'extérieur, le coup du pied. Joueur très intéressant. Sur ce ballon rendu à Tigaspor. Faute, il y a une faute sur Shane Olepan. Bien joué, petit coup d'œil là avec un petit ballon pour Wayar Ridri. Va être vigilant du côté du joueur de Léo Lopez. Ce début de match va bien s'échauffer. J'espère qu'ils se sont bien échauffés les deux équipes hein, parce que le froid. On a peut-être vraiment pas trop l'habitude de ce froid, justement, sur les organismes. C'est vrai que l'hiver a été une période de fraîcheur et un peu plus rude cette année. Donc, il faut peut-être être plus attentif. C'est ça. Plus à l'écoute de son corps, de s'échauffer un peu plus. Allez, en tout cas, coup franc assez lointain, excentré, mais on va essayer de aller déjà sonder cette défense au niveau du jeu aérien. Pourquoi pas? Très vite, son coup de pied arrêté par la différence, fort, alors que chez nous, les pannes restent au sol. Alors, c'est Henri qui est sur ce ballon, il va le frapper, c'est pas possible. Voilà. Ouais, il n'a pas pris assez d'élan. On a un match qui a du mal à se lancer avec pas mal de grosses coupures. Ça y est. Ah, il n'arrive pas. Je ne sais pas si. Je sais pas si. Chêne, il va pouvoir. Ouais. On l'a vu en bas de l'écran. Ouais, il boite. Il n'arrive pas. Décidément.
Et ça repart avec Steve Waupi, donc qui est dans cet axe central aux côtés de Wannes. On voit Georges Berrounet qui vient chercher très bas ses ballons. En deux temps, Wannes qui cherche Sébastien Rochettine. Il trouve quand même. Il a bien fait le relais avec Wamedjo, Jean-Paul Wamedjo dans l'axe, dommage. Intervention de cette défense de Tigasport avec Joël Wakanomone qui cherchait une solution devant. Wannes bien fait. Sereinement avec Georges Wakanomone, voilà à l'extérieur du pied gauche dont je parlais de Vaxa. Attention. Ah, c'est surtout le repère pour Morgan. Essayer d'avoir un repère cohérent avec son poste. Parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Chaco qui cherchait Jacques Quatron. Une faute sur Jacob Wachetin. Ah, bien fait ce petit ballon. Bon, superbe avec de l'espace. Ce ballon en retrait. Horizon Passot dans cette surface de réparation. On cherche une solution. Et la frappe de Georges Wakanomone. Georges Berrounet, pardon. On revoit ce petit ballon intéressant de Luc-André Wachetin. Fouetté. Et le pressing déclenché par Luther Wakanomone. Ah, c'est là où il va être important, Luther. Amener un peu tout ce bloc, cette pression sur l'adversaire, déclencher les pressings, les contre-pressings. Morgan Matelon. Avec Ouadra, David Ouadra bien fait. Et on le retrouve chez Nouvelle-Epan. Qui a Mouanessé. Wannes qui. Un bon début de match. Il veille. Anticipe bien. Ah, très bon joueur, Kiam Wannes. Lui aussi qui était mondialiste en U17 lors de l'année 2017 en Inde. Cette génération Gabi. Ouais, il y a son compatriote là de l'époque, Henri Wellepan. Exactement. Quand je vois. Allez, donnez sec tranquillement. Il va pouvoir relancer. Il va peut-être allonger. Eh bien non. Relance court. Ah, ce qu'on recherche, hein, ce qu'on préconise dans ce projet de jeu de mis en place par Léo Lopez. Chaco, où il a pris un bon coup d'épaule. Non, pas de faute. Touche pour Tigasport. Et Matelon, à nouveau, cherche une solution dans l'intervalle. C'est bien coupé par Georges Berrounet, avec Wachetin devant lui. Chetin, Berrounet. Attention à ce ballon dans l'axe. C'est ça, c'est ces erreurs qui peuvent être. Chercher Glenn Royard-Idry. Ces erreurs, il va falloir faire très attention au côté de l'horizon. Ces ballons, il y a eu quelques ballons depuis tout à l'heure qui sont lancés, des relances dans l'axe ou approximatives qui ont permis à Tiga de récupérer. Ils n'ont pas pu exploiter au mieux ces erreurs, cette équipe de l'horizon. Faute
Eh bien non, monsieur Maroui qui dit rien. Ah, ça joue bien aussi du côté de l'horizon. On remet Joe. Et belle défense de Wellepan, mais c'est pas fini. Wamedjo. Ouais, il a trouvé le corner. Attention là, parce que là, le vent. Et là, c'est Vaxa qui va frapper ce coup franc à gauche. Ouais, il va certainement l'enrouler. Bon, il y a Jean-Yann Dounézek en face, donc il y a de la taille et de l'assurance. Mais c'est vrai qu'avec le vent, ça peut être dangereux. Ce pied gauche de Béarounet. Ouais, c'est un peu long. Non, c'est rabattu cette tête. Il est pas, joué, pas hein. Sorti la balle. C'était bien joué quand même. Bien joué, superbement tiré d'ailleurs. Et on recherchait encore Béarounet. C'est mal donné. Ah, il avait un choix, c'est bien. Soit à droite, soit à gauche. Il a pris le choix côté droit. Et... manque de précision. En tout cas, l'intention était bonne. Attention. Ouais, bien fait avec ce ballon redonné à Wea Washetin, le gardien de l'horizon. Ouais, ça, il n'y a pas trop de solution là à l'intérieur, mais il saute la ligne, ça c'est superbe, cet appui remise. Ah. On a Georges Béarounet, John qui est un peu en électron libre au milieu de terrain, il est très disponible. Ah, le voilà, ça guide. Goal. Anes. Super ballon. Ballon. Oh, à faire attention, petit Gaspar, sur l'aspect défensif. Il y a un changement, bah, Shane Wellepan qui va sortir. Ouais, c'est malheureux. Ouais. Et qui va laisser sa place à Gérard Waya. Waya. Ouais, c'est encore une fois une blessure qui vient. Un peu amoindrir cette équipe avec la perte du capitaine. Ah non, non, c'est pas Shane qui sort, c'est, pas, non, Tchako. C'est Joseph Tchako. Oh, bah, voilà. Tchako, Joseph Tchako. Sur blessure. On voit qu'il boite. Qui a été blessé avant même de. Bah, vaut mieux que Tado, du coup, reste sur le terrain. Parce que s'ils ont déjà deux blessés au bout d'un quart d'heure, ça va pas ranger les affaires de Léo Lopez. Allez, un quart d'heure. Bon, on a passé le round d'observation. Il va falloir que le match s'emballe un peu. Même si c'est vrai que c'est les débats sont équilibrés. Avec de bonnes choses de part et d'autre. Et pour l'instant, on n'arrive pas à faire les différences dans les 30 derniers mètres des deux côtés. Et ça, deux équipes, deux blocs bien en place pour l'instant. Ouadra. Ouais, bien fait. C'est décalé vers Wellepan. Ouh, la frappe magnifique. Ouais, elle est dedans, c'est pareil. Si elle est dedans, là, c'est pareil. Ouais, sacré effet hein, qu'il a mis dans ce ballon. Et on revoit. C'était Kevin. Bien joué de la part de David Ouadra. Superbe. Ballon fouetté comme ça, là. De l'extérieur du pied droit. Bien joué, ça s'est fait prendre là par surprise Henri, faire attention. La longue touche.
Les pannes. On peut se retourner. C'est bien défendu de la part des jaunes et bleus. Oui. Garde de trop. Plus simple. Watron, oh, bien fait. Ouais, le ballon portado. Bien joué ce ballon. Ce ballon, intervention au pied, peu académique mais utile et efficace de Weir Wachetin. Ah, c'est là où il va être intéressant, hein, Jacques Watron. Arrivé à l'intersaison. Enfin, court en saison, pardon d'ailleurs. Mais en tout cas, il est intéressant dans ce rôle de pivot là. Mais après, il faut quand même devant des joueurs si on faut se parler puissent marquer des buts, lui il en fait partie de ces joueurs là. Ouais, c'est toujours un peu ce dilemme avec ce poste, des fois faut décrocher mais faut aussi être dans la surface pour être au bon moment pour faire ficelle. C'est ça. Et puis, il faut avoir de l'endurance. Ouais, il faut être costaud aussi avec les impacts, hein, parce qu'on prend beaucoup de coups. Là, ce attention. Attention, Weah. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me fait peur un peu du côté de l'horizon passé, c'est qu'il joue avec le feu. Ouais, bien fait ça, en tout cas, ce ballon dans l'intervalle avec justement ce Jean-Paul Wamedjo qui avait décroché. On voit qu'en transition défensive, ils sont très vite dans ces deux lignes de 4 du côté de Passo, John. Avec une ligne du milieu de terrain à 4 qui se reforme. Beaucoup d'efforts de la part de Georges Béarounet notamment. Attention, il n'y a pas de hors-jeu avec hors-jeu, c'était à gauche là-bas qu'il fallait jouer. Il y avait une possibilité. Du côté avec Waya. Non, c'est Waouya. C'était limite. Et 20 minutes déjà de jouer. Et toujours deux équipes qui se tiennent, qui se manœuvrent. Petit ballon intercepté par Ouadra. Béarounet. Avec Maé, son gardien. Ah, c'est là où, et là où c'est dangereux. Qui est et voilà. Avec Walepan au milieu. Ce centre, oula, Mindia, c'est pas fini, double chance. C'est hallucinant comment ils arrivent à continuer à se mettre en danger tout seul alors que. On va revoir, hein. Et d'ailleurs, Steve Waopi, il a son corps qui est mal orienté d'entrée. Il est dos, complètement dos au jeu, il n'est pas de trois quarts et du coup, ça offre pas à Waopi cette possibilité de prendre l'information comme il le faut. Allez, on va continuer. On ralentit. En tout cas, ils sont mis en danger vraiment tout seuls. Hein, ouais, ils continuent à se mettre en danger. Ils n'arrivent pas à sortir. C'est parce bon ballon avec l'intervention superbe du gardien. Oui, Wachetin sur Watron. Et on voit. Sorti. En tout
tout cas, la grosse opportunité. On voit. Hein. Pas bien orienté. Stimopi. Et il a bien anticipé aussi. Tado Welepan. Watron un peu court. Ouais, heureusement qu'il se loupe. Tous. Hein. C'est Kevin Nalain. Ils peuvent, hein, ils peuvent. Ils ont vu qu'ils étaient. Plusieurs reprises, ils ont réussi à déstabiliser ce bloc de Tigaspor. Tout proche, Wayar Edri d'ouvrir la marque, en tout cas. Ils ont eu chaud, les Maréens. Oui. Allez, Welepan, bien cette sortie. Et voilà. Défenseur de Tigaspor avec Watron maintenant. La frappe et l'arrêt de Washetin. Ça chauffe sur le but de l'horizon. Dunezek, bien fait avec Pierre Ouya. Le travail de Pierre Ouya. Tiga qui insiste avec Glenn Wayar Edri, bien repris par Steve Waupi. Précipitation des deux côtés. Quadra, Welepan maintenant qui renverse le jeu. Faire attention à côté horizon, John. C'est vrai que c'est une ligne défensive de 4 qui décide de jouer assez haut quand même. Ah, il la tente. Ouh, quel but! Et le but! Et le but! Il nous en sort! Ah ouais, c'est magnifique! Il l'a senti, le vent a porté ce ballon. Bah, l'intelligence hein, de servir, justement, on parlait tout à l'heure des paramètres extérieurs qui peuvent aider à la réalisation d'une action. Et bien là, il l'a compris. Porté par le vent. Et avec pourtant, la prise d'information, il contrôle, il le connaît. Et pont, voilà. Quel but encore. Et il est presque sur sa ligne. Ouais. Surpris. Surpris. Par cette balle flottante, quel but encore. Après. De Georges Béarouné. On est à la 25e minute. Et c'est pas la première fois hein, qu'il nous sort des tentatives de. Et après, on 40, connaît les 50 ressources. Mètres. Ouais. On connaît les ressources aussi de Tigaspor, on l'a vu il y a deux semaines, même en étant mené. Et puis 1-0, un peu contre le cours du jeu là, parce que c'est vrai que depuis 10 minutes, Tiga a commencé à prendre le dessus offensivement. Prendre le dessus, à sortir sur ses joueurs qui prenaient des risques, les transmissions de leur ballon derrière. Ouais, bien joué. Quelle réalisation encore du capitaine. Ah, il est adepte de ses gestes sortis de nulle part, mais là. Et Jean-Yann qui a eu du mal à prendre ses appuis, surpris sûrement avec le vent aussi. Oui, il y a ça. Parce qu'il est grand, hein, il fait d'1m90. Il était surpris sur ce ballon. Et Georges Béarouné. Quelle saison il nous fait. Vaxa, ancien international calédonien, mais à ce rythme-là, on va finir par le retrouver en sélection. Hein. Georges Béarouné. Et voilà. Joueur de l'Horizon Pato. Ah, il me semble qu'il y a frère de Jean-Jacques. 33 ans, hein, Vaxa, je crois. Ouais.
cadre et un des anciens de cette équipe. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'horizon. Ouais, ça... À la demi-heure de jeu. Faut réagir, faut réagir. Avant la mi-temps, au moins. Je disais, il joue assez bas quand même dans ce milieu de terrain, Waxa, et ça permet de profiter de son jeu long de qualité. Pour l'instant, stratégie qui paye, hein, puisqu'il mène. Ouais, faut voir après jusqu'à là. Non. Parce qu'il y a eu beaucoup de d'erreurs techniques tout à l'heure pour les joueurs de l'Horizon Pato. Ouais, c'est vrai que va falloir se rater de nouveau sur ces relances dans les dans leurs 20 mètres. Dans leurs 20-25 mètres. Et... C'est un coup franc. Il y a une faute. Centré. Ce ballon qui traîne, c'est dégagé par la défense de Passo et du Terroir Canouné. On va revenir pour l'équipe de Toka. Trône. Attention. Sans problème. Chercher le ballon et sans problème. Oui, à Washington. Voilà, c'est ça. Là. Prendre des risques inutiles. Il mène 1-0. Ils permettent aux joueurs de Tiga de venir presser chez eux et de récupérer ce ballon. Voilà. Je pense qu'ils ont une alerte. Ils n'ont pas su tenir compte de l'alerte qui a été tout à l'heure qu'on a pu voir là sur cette faute transmission. Il a failli leur coûter un but. Il est pas encore. Ouh, il a tenté de surprendre le gardien adverse. Avec ce tir. Premier poteau. Très puissant. Alors, une info aussi qui nous vient de Lifou. Parce que tout à l'heure, Juanono et Nejiu se livraient un derby de Lifou. Et c'est une victoire importante, celle de Nejiu. 3-0. Ouais. Donc, ça se complique très fortement pour Renault qui devrait descendre en fin de saison. Ouais, Dumbia aussi qui. Parce que ça s'éloigne hein, de plus en plus. Hein. Nedjiou, Kounye qui ont pris 4 points là ce soir. On aura le temps de refaire les comptes. Donc, on rappelle aussi pour celles et ceux qui nous rejoignent sur Pacific Plus et la FCF TV Web, que le match Yengen Mondor a été reporté pour cause de météo et d'un terrain non tracé visiblement à cause de la météo, donc on essaiera de se renseigner par rapport à cela. Et attention à l'intervention de Washington pour l'instant qui ne tremble pas.
Et demain, deux rencontres. Wedge Lossi et Gaïcha Magenta à Nouma Dele, 14h et 16h30. Luc-André Wachetin qui fixait plein axe. La sortie de Joël Wakanouni, c'est un peu brouillon. Il s'est engagé, comme d'habitude. Et Glenn Wayaredri qui va très très vite, mais c'est stoppé. Ils se mettent en danger tout seul, l'équipe de d'Augusto Wachetin. Enfin, de Sagitoyewol, en tout cas. On a quand même une luminosité du terrain qui devient difficile. Hein. On espère que pour l'année prochaine, tous les travaux seront engagés et finalisés au stade de Nouma Dele. Ah, c'est vrai que là, on va essayer de tenir. On voit des... La demande a été faite, en tout cas. Oui, oui. Oui, bon. Voilà, bah, le... On va attendre 2-3 ans. À l'image, merci à la production d'étayer nos propos. C'est vrai qu'on a des. Ah ouais, il a bien fait ça avec. Il a pas voulu. Avec la volée. Il a pas voulu la tenter. Faut la tenter. Faut pas. Ouais, bien fait. Ce ballon en retrait. Pas de position de frappe. On essaye d'armer, mais on se heurte à ce mur jaune et bleu. Très compact. Ah, simplifier, non, ils repèrent le ballon. Ouais, il faut dégager. Il ne faut pas avoir honte de dégager. Ce jeu. Yaridri. Petit ballon de Morgan Matelon par-dessus ce milieu de terrain. On saute la ligne. C'est récupéré maintenant par l'équipe marienne. Passo. Attention. Petite faute là. Ouais. Torisso. Là, c'est ça. Là. C'est le jeu là. Voilà, et après ils sortent. Ouais, et puis ça. Ça met un peu la pression sur cette défense Matelon, Wakanumune et Welepan de aussi aller chercher ce jeu un peu plus long, les attaquants. C'est ça, et puis il faut qu'ils en profitent. Ils en profitent sur ce côté de Morgan Matelon qui n'a pas trop de repères. À profiter sur ce côté à jouer, à jouer, à jouer, à jouer pour empêcher après David Ouadra de monter et puis de rester avec Morgan pour l'aider. Super bon poteau. Ouf, c'était heureusement, limite. C'était pas loin, mais. Semble... Jacob Wachetin qui était au second poteau, qui a ben un sacré boulot défensif là-bas, côté droit. Jacob Wachetin. Je le disais, John, avec cette ligne de 4 au milieu de terrain qui se reforme assez vite en transition défensive côté Horizon Passo. Pour l'instant, ils arrivent à contrer cette équipe de Tiga. C'est là où il peut être fort parce que le Tiga, c'est clair que c'est une supériorité numérique devant, mais après, derrière, c'est l'inverse. Donc, sauter cette ligne là. Ah. Et du coup, là, c'est Passo là, qui est dans un temps fort. Alors que Tiga. Encaisse ce but au moment où il commençait à vraiment tout proche de conclure leur domination. On rappelle sur ce but splendide de Georges Béarounet à la 25e minute de jeu. Allez, peut-être une opportunité pour Tiga Sport. La parade de Weah Washington. Oh, bien joué, c'est une grosse frappe lourde. Oh. Frappe lourde de Waiso et puis de... Quelle frappe! Et puis cet arrêt de Wea. Ah, les deux, en deux temps. Faire un sacré spectacle là avec ce tir magnifique. Bah, ça y est, il surpuissant et la parade ensuite. Le pressing qui est déclenché côté, côté des hommes de Léo Lopez.
Eh ben, ça nous offrira sûrement une très belle très seconde belle période. Deuxième période, seconde période, parce que là, Tiga aura le vent avec lui. Alors, on voit. Là, voilà, ce... ah, il est pesant, hein, ce Watron, Jacques Watron. Et le missile envoyé. Et la détente, la, la main ferme, le bras ferme de. Chétin, super barré. Du temps, Glenn Voyard-Ridry à suivre. Au moment de la frappe, il aurait dû partir avec. Vers le gardien. On va la revoir. Avec cette caméra de côté. Merci à la production pour ce beau replay, ce beau ralenti, ces belles images. Quel arrêt, quel tir. Et très vite, il est en reprise d'appui. Oui, à Washington. Pour l'instant, réalise une sacrée belle première période. Allez, Tiga qui retrouve son allant. Oh là, super percussion en plein axe. Et ça passe. Oh là là, quelle action. Faute. Magnifique, Pierre Wawiya, là, il était parti dans un rush en solitaire. Ouais, il joue le ballon, le gardien. Ok, petite faute. On revient à la faute juste avant. Là, c'est vrai qu'il y avait une faute avant, encore bien avant, c'est ce que réclament les joueurs de l'Horizon Pato. Il y avait une faute plus haut là-bas, qui n'avait pas été signalée. Ensuite, il y a eu une deuxième faute sur le joueur de Tiga. En tout cas, on voit une belle première période. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et un coup franc intéressant là, avec Wellepan. Encore Watron. Ouais, rien à dire, faute. Je sais pas s'il a été averti, mais ça méritait un carton. Ouais, c'est vrai que c'est bien vu sous les yeux de l'arbitre. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Une discussion animée entre monsieur l'arbitre, monsieur Maroui. Qu'est-ce qui se passe? Joël Wakanomune. Juste devant Léo Lopez. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il va aller changer ses chaussures ou je sais pas. Que c'est... Poser réserve. En train de discuter. Alors. On sait pas trop ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre parce que tout vous dire, on comprend pas trop. Ça va permettre aux deux équipes de reprendre un peu leur souffle. Alors on aura certainement en seconde période les éléments un peu plus éclaircis pour. Plus détaillé pour vous éclaircir un peu le ce qui s'est passé. J'ai besoin d'aller pour l'instant une bonne opération et une belle surprise de l'Horizon qui mène 1-0, si on peut appeler ça une surprise hein, parce que l'Horizon est devant Tiga avec ce but splendide au moment où je le disais Tiga est en une phase de domination. Et on voit le coach Sagit Wayewol qui donne les consignes. On va rappeler aussi qu'en Coupe de Calédonie, Tiga s'est imposé le week-end dernier, donc poursuit l'aventure, ça sera le choc des quarts de finale. Tiga qui affrontera
Yengensport le 26 août. Grosse affiche. Grosse affiche finale avant l'heure. Tiga qui s'est imposé en 8e, 3-0 face à Mouly Sport. Une belle équipe de Mouly que l'on salue et qui a tenu jusqu'en toute fin de match avant d'encaisser deux buts. Et puis l'année dernière, la confrontation Yengen-Tiga, ça a été un super match, on est filmé. C'est l'année dernière ou il y a deux ans? L'année dernière. 4-3. Finale de coupe. Ouais. Ah, une finale d'anthologie. Anthologie, ouais. En tout cas, Tiga qui poursuit l'aventure, c'était un doublé à la 90e et à la 93e de Jean-Jacques Berrounet qui est encore sur le banc aujourd'hui. Je pense qu'il préserve un peu aussi Léo Lopez qui revenait de blessure. En tout cas, c'était une belle performance. Enfin, c'est une belle équipe de Mouly qui, elle aussi, a fait honneur à la PH Chute, tout comme Saint-Louis, je le disais, sur le premier match télévisé du jour. Les actions de face à Cougny. Début de première mi-temps. On voit le rush, il est parti de son camp, de ses 30 mètres. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On ne sait toujours pas. Et on n'a pas la possibilité d'avoir un relais terrain actuellement sur le dispositif, sinon on vous aurait renseigné au mieux. Ouais, ça casse carrément le rythme, ça. Ça refroidit les joueurs, faut qu'ils continuent de bouger, c'est de pas refroidir, pour éviter. Pour Tiga aussi, parce que c'est Tiga qui perdent leurs joueurs petit à petit. Ouais, ils ont déclenché l'arrêt du match. Et qui reste, essayer de rester chaud, s'échauffer. Enfin, après, à un moment, on aurait pu croire à une réserve, mais. Bah oui, mais il n'est pas capitaine, Joël. C'est le capitaine qui doit poser la réserve. Si la réserve il y a, mais il me semble pas que Tado ait quitté le terrain. Ou les pannes. Et d'ailleurs. Non, il est sur le terrain, Tado. Donc on sait pas trop ce qui se passe. On espère que ça. Non, il n'est pas sur le terrain, Tado. Je le vois pas. Chaîne ou les pannes sur le. On voit cette discussion entre arbitre central. C'est peut-être. Ah non, je le vois plus aussi. C'est clair que Chaîne, ils sont partis déposer. Ah, il a raison, pas que ça. Il s'est chauffé. On a un ballon. Ouais, je crois qu'ils sont partis poser des réserves parce que Chen il est plus là. Alors, essayer d'aller à la pêche aux infos, mais alors ça sera plus à la mi-temps parce que là vraiment, on est un peu sans information de ce qu'il est en train de se passer. C'est assez rare en fait aussi, John, pour tout dire. Hein, c'est que là, on voit pas du tout. À quel moment, à quelle situation il y a eu une décision de stopper le match? Ah, c'est l'arbitre de touche qui, on le voit, qui signale quelque chose. Parce que Joël est parti le voir. Hein, Joël est parti le voir, parler à Roger. Et Roger a informé l'arbitre central. Il essaie de l'appeler parce qu'il y a. Ah, c'est le délégué de match qui est. Oui, alors le délégué qui est Michel Cotra, qui est aussi intervenu à un moment, donc on ne sait pas trop. Signaler quoi? Non, mais il faut qu'ils essayent de. Ouais, puis du coup. Tant que le chrono qui continue de défiler, alors il y aura. Du temps rajouté. Ça commence à être un peu long. Ah, j'en profite aussi pour vous dire qu'à la mi-temps, on va vous lancer un sujet assez long de. On rendra vite l'antenne avec cet entretien exclusif de Fatma Samoura, qui est la secrétaire générale de la FIFA, qui était venue courant juin. Et Kaido Foot qui est allé à sa rencontre. Donc restez bien
sur nos antennes à la mi-temps avec un entretien exclusif avec Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qui nous parle du foot calédonien et puis du football féminin aussi, John. Donc on est en plein dedans hein, avec cette Coupe du Monde féminine. Cette Coupe du Monde féminine. Et voilà. Ben si, je crois qu'ils sont partis poser réserve. Hein. Voilà, alors on va revenir au direct, même si on revoit ce but, qu'il est beau ce but oui. De Vaxa Béarouné. On le voit. Alors il y a le président de... Non, c'est, il me semble que c'est le président de Horizon qui est là. Alors, en tout cas, monsieur l'arbitre et Joël Wakanumune sont de retour sur le terrain. Et on ne comprend pas trop ce qui se passe, donc on va... Attendre la mi-temps pour aller. Ouais, on va voir. Pas s'avancer sur ce qui se passe, mais. Allez, ça va repartir enfin. On rappelle hein, les scores du jour. La Esconi qui s'est imposée 2-0 face à Dumbéa. C'était sur nos antennes tout à l'heure, ici même au stade Noumadélé. C'était sur Pacific Plus et la FCF TV Web. Alors que Nedjeu s'est offert le derby de l'IFU. 3-0. Net et sans bavure face à la Lanterne Rouge, Juan Ono. Et donc Ken Gen Mondor est reporté. Alors là, du coup, il va y avoir un laps de temps assez long à. De temps additionnel, de temps rajouté ou de temps. Ouais, je pense 10 minutes. Correspondra à bah, cette coupure. Il y a peut-être 10 minutes de temps additionnel. On verra ce que l'arbitre accordera. Un coup franc super intéressant. C'est bien tiré la parade de Washington. Encore une fois, le poteau. C'est pas fini. Quelle action encore pour Tiga. Ouais. Et Washington, le gardien de Passo qui match. Réalise des miracles là, dans cette première période. Avec le poteau ensuite qui sur. Qui n'arrive pas. Pierre Wahia. Wahia qui la met au fond. Était en embuscade. Pied de coin. C'est une fin de première période un peu folle. Faut pas qu'ils fassent ça, ils sont en train de se mettre en difficulté tout seuls les joueurs de l'Horizon. Et bien fait ce centre. Se mettre en galère tout seul alors qu'ils peuvent dégager ce ballon et puis aller presser. Bien qu'il y ait une supériorité numérique à chaque fois entre les attaquants et les milieux qui viennent soutenir, vous passez ce cap-là, derrière, il n'y a plus personne chez Tigre Tigre. Et à chaque fois, ça s'est passé qu'ils ont pu le faire, à chaque fois, ils ont mis en difficulté l'équipe de Tigre Sport. De jouer à la baballe derrière, comme ça leur donne l'opportunité de récupérer le ballon et puis d'aller mettre la pression aux gardiens de l'Horizon Passo. Attention, légalisation toute proche, sauvetage miraculeux. Ça chauffe ouais. Sur la cage de Washington. Alors, on voit, superbe le travail de Matelon. Ça tergiverse. En plus, le pire, c'est là, sur les touches, c'est un joueur qui est dans la défense axiale des trois qui vient faire la touche. Allez chercher, il y a une infériorité numérique devant. Regarde la touche, il est au 16-50 presque maintenant. Allez, ça pousse pour l'équipe Tocanode. La volée. Tentez la frappe. Le but. Ah, il y a hors-jeu. On a cru à la fois au but et il y avait en même temps hors-jeu. Alors, est-ce que ce ballon était passé dans les filets vraiment?
Et on va revoir. Pas en jeu. Pas en jeu du tout. Du tout. Puis le ballon, il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Derrière, c'est l'illusion d'optique, décidément. Ah, là, c'est une drôle de fin de première période. Voilà, regardez. Numériquement, regarde, ils sont 4. Ils sont 4 contre 4. Ils peuvent. Voilà. Ah ben voilà. Bon, attention, avec peut-être le but du break pour l'Horizon. Passons ce ballon en retrait. Wamedjo qui arrivait, dommage que... Hein, quand ils arrivent à sauter ces deux lignes, trop tardé. Ils mettent en difficulté Tigasport et à jouer à la baballe derrière, ils se mettent en difficulté. Tigasport, c'est simple. Ils sont en supériorité numérique quand ils vont à l'attaque. Derrière, c'est dégarni. Si on prend un ballon, on balance devant et on va presser et sortir, on sort avec, avec le ballon. Ils sont en difficulté à chaque fois. Regardez, il est où maintenant ? Il est haut. Bon ballon. On voit les pannes. Ah, supériorité, ça y est, c'est parti. Non, mais faut pas jouer. Eh ben du coup, on va voir du rap, John. Déjà 10 minutes. 10 minutes. Ah, c'est des temps additionnels de Coupe du Monde, ah ça. Ouais, ça encore assez plus la Coupe du Monde. Là, c'est des temps additionnels de. Je vois le Canamone. Maintenant, c'est récupéré par l'équipe marienne. Attention à l'opposé là-bas. Il l'a vu, hein, Luther Wakanumune. C'était un peu à contre-temps, ouais. Dommage, mais c'est pas fini. Ah, c'est faute contre eux. Tunisek. Allongé. On voit les pannes. Bien pris de la tête par Wanes. C'est redonné ce ballon à l'équipe de Tigasport. Ouais, bien fait ce contrôle orienté. Wachetin. Tiens la faute. Ouais. Super contrôle. Contrôle et. De balle orientée ensuite avec ce ballon, ouais, maintenant côté gauche. Ouais, il la laisse rebondir, il aurait dû contrôler ce ballon. Ça fait sortie de but pour Tiga. Mais je pense qu'ils sont partis pour poser réserve parce que Tado et Chano Lepan est parti. Dans le vestiaire ou. Non, mais ils ont. En plus, c'est, ils ont le droit. Hein. Après, c'est le capitaine qui doit le faire. Oh, non, de toute façon, les infos, je pense, à la mi-temps. En tout cas, au niveau du score, c'est bien Passo qui, pour l'instant, mène. Sur cette première période à rallonge, du coup. Mais qu'il arrête le match et qu'on passe à la mi-temps. Parce que... En tout cas, moi, ça me déçoit.
Ouais, ça a coupé un peu dans son élan, hein, cette rencontre. Plutôt de bonne facture en plus, hein, c'est vrai, sur 45 premières minutes intéressantes des deux côtés. Non, mais... Ça, faut qu'ils évitent. Voilà, on voit le pressing déclenché avec... Non, mais ils n'ont pas compris. Et là, encore de Washington. Ils n'ont pas compris. C'est ça qui est fou. Ils n'ont pas compris. Ils continuent à donner alors que tout à l'heure. Ah, c'est bon, des après, c'est leur façon. S'ils préfèrent jouer comme ça, bah, tant mieux. Hein, s'ils arrivent à chaque fois à se mettre en danger tout seul, bah, allez-y. Il faut encore des miracles, hein, Washington, sur ce. Ouais, encore perdu. Merci. Et merci le gardien. C'est clair que oui, à Washington, là, il a fait des arrêts. Il a permis à son équipe de garder. Cet avantage, regarde, ils sont que 3. Ils sont que 3 derrière. On le voit, ce 4-4-2 là en phase défensive, mis en place par les jaunes et bleus. Ce rôle un peu hybride là de Georges Berronnet sur cette première période. Bon, après, on va pas jouer non plus 20 minutes d'arrêt de jeu. En tout cas, il ne faudrait pas que Tiga. Regrette ces situations. Ouais, et... Là, on part au. Je pense pas qu'ils vont utiliser tous leurs moyens. En 15 minutes. Pour gagner ce match. Hein. Là, ils sont partis pour utiliser tous les moyens possibles pour gagner le match. Hein. Ils posent des réserves. Allez. On ne sait pas, hein, John. Hein, si, Après, je sais pas. Oui, je m'avance. Hein, je m'avance un peu, pardon. Mais. On verra. Et voilà, Oya Washington. Voilà, monsieur Maroui, qui je me disais bien, n'allez pas aller jusqu'à 20 minutes de temps de jeu en plus sur cette première période. On se quitte rapidement, on rend l'antenne et on vous laisse avec cet entretien exclusif avec Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, qui était de passage en juin en Calédonie. Madame Fatma Samoura, bonjour. Déjà, tout d'abord, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Merci. Un grand merci d'accepter notre invitation pour Calédo Foot, qui est l'émission web 100% Foot Cagou, mise en place par la Fédération Calédonienne de Football. Vous êtes en visite officielle, hein, 2 jours sur le territoire calédonien. Et c'est votre premier voyage ici en Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour vous de découvrir aussi les acteurs du football, du ballon rond ici en Calédonie. Quel ressenti vous avez sur ces 2 jours de visite ici en Calédonie? Ben, des impressions très positives, d'abord parce que le football est bien organisé par la Fédération Calédonienne de Football. Et j'arrive au moment également où un club local, ASAF, remporte sa première victoire pour la première édition de la Champions League de l'Océanie. Ça veut dire que quand même, le football le féminin est au centre des préoccupations des acteurs du football et également de la Fédération Calédonienne de Football. Et ce matin, nous avons eu l'opportunité de découvrir aussi le festival qui se tient plusieurs fois par année et qui regroupe des enfants, des filles et garçons entre 9 et 11 ans et qui, avec leurs parents, viennent un petit peu vivre leur rêve un jour de devenir des footballeurs internationaux, mais aussi... ce sont des journées comme ça qui font qu'on apprécie notre vie dans le football. Quand on voit toutes ces familles, certaines viennent de provinces assez éloignées pour venir en une matinée interagir avec des jeunes de leur âge et aussi taper du ballon pendant toute une journée et rentrer heureux chez eux en se disant que peut-être quelque part leurs rêves de jeunes garçons ou de jeunes filles vont se réaliser un jour et qu'ils pourront rivaliser avec les plus grands de ce monde. Ça met aussi du baume au cœur. Et après ce festival, nous avons eu l'opportunité aussi de visiter le centre technique de Païta, qui a été conçu depuis 2008 et qui a vu en 2021-2022 la construction de bureaux pour l'administration. Et nous avons également discuté de la stratégie que la fédération met en place pour pouvoir soutenir les clubs, mais aussi le championnat local, et également apporter un soutien au club avec une stratégie adossée sur celle de l'Océanie et de la FIFA pour propulser également le football féminin au niveau.
Justement, Madame la Secrétaire Générale, c'est important, c'est capital pour la FIFA que vous représentez de venir au contact de ces acteurs du football océanien. Effectivement, et la FIFA le fait de manière régulière et constante depuis 2016, lorsque le président Gianni Infantino a été élu. Il organise tous les ans. Bon, on a eu quelque peu un arrêt parce qu'il y avait la crise de la COVID. Mais de 2011 jusqu'en 2020, il a régulièrement tenu des réunions, donc des sommets exécutifs pour le football, et où à chaque fois, les présidents et les secrétaires généraux des fédérations sont invités pour pouvoir discuter des challenges auxquels ils font face pour développer le football. Aussi, mettre sur la table des problèmes qui sont liés au développement de le football, mais dans leur zone d'activité. C'est également important pour nous d'aller au devant des fédérations parce que on s'imprègne mieux de la réalité une fois qu'on est sur place. On voyage en Nouvelle-Calédonie pour 1000 discussions. Et c'est à ce titre que nous voulons également profiter de ces voyages pour vraiment imprégner toutes nos 211 associations membres de la vision du président qui est de rendre vraiment le football global. Vous le savez, dans quelques semaines, donc dans 40 jours, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, on aura la Coupe du Monde féminine, donc dans l'hémisphère sud. C'est une première à plusieurs titres, la première fois que c'est organisé par deux confédérations, donc l'Océanie et l'Asie, la première fois qu'elle se tient dans l'hémisphère sud, la première fois qu'elle se tient dans un format beaucoup plus large, donc de 32 équipes, et où avec 8 pays qui sont débutants. Pour la première fois dans ce tournoi et la première fois également que cette Coupe du Monde, ce trophée qui est tellement convoité, va faire le tour des 32 pays qui vont prendre part à cette manifestation et où il y aura également en Australie tout comme en Nouvelle-Zélande la possibilité à travers les fan zones de donner un niveau d'expérience tout à fait différent aux supporters du football. Donc, la Calédonie étant quand même juste à quelques heures de ces deux pays hôtes, c'était tout naturel qu'en termes de legacy, donc en termes de legs pour les fédérations qui sont au niveau de l'Océanie, mais aussi de l'Asie et dans le Pacifique, de pouvoir un petit peu bénéficier des retombées. Donc, cette visite nous permet également de prendre le pouls au niveau du football féminin, mais aussi du football des plus jeunes catégories, et de leur dire comment est-ce que nous pouvons les accompagner après cette grosse manifestation qui va avoir lieu du 20 juillet au 20 août pour pouvoir vraiment asseoir au football professionnel et au football d'élite. Vous l'avez entendu en mars dernier, lors d'un congrès de la FIFA, que de nouvelles compétitions seront mises sur la table et les discussions ont déjà bien avancé avec les fédérations, mais aussi avec les clubs, les associations, et avec les ligues pour pouvoir non seulement étendre la Coupe du Monde des clubs qui est actuellement de 6 plus le pays hôte Z à 24 à partir de la saison 2024-2025, mais également d'organiser une Coupe du Monde des clubs féminines dans 2 ou 3 années et d'essayer de le mettre, donc de travailler avec toutes les associations du monde pour le mettre également dans le calendrier des matchs internationaux. Le président a également parlé de l'expansion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans à 48 pour les garçons tout comme pour les filles et qui serait jouée chaque année. Et sans compter le fait également que l'Océanie a décidé également pour la première fois de lancer sa première édition de Champions League justement pour entrer dans le moule qu'a déjà dessiné la FIFA, de permettre aussi Confédération dans 2 ou 3 ans d'asseoir une Coupe du Monde des clubs qui va avoir la participation de toutes nos associations membres. Donc, c'est ce genre de mission nous permet de nous imprégner de la réalité, mais également des défis auxquels font face ces petites fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens et dont certaines dépendent presque à 80% pour le financement et le développement de leur football des fonds FAUD, de pouvoir également leur donner un appui, mais aussi un peu plus de visibilité. Parce que lorsqu'on est présent dans ces pays, pendant 2 ou 3 jours, on place ces pays au niveau de la cartographie du football mondial et également on arrive à inciter certains partenaires à travers nos rencontres à venir aussi investir. Et c'est pour moi aussi l'occasion avec les présidents de fédération de faire un plaidoyer beaucoup plus fort pour pouvoir permettre aux privés et aux sponsors aussi de donner un peu plus de moyens au football en général et au football féminin. Parce que nous jouons bien notre partition en tant que FIFA
en augmentant donc le nombre d'équipes qui vont prendre part à la Coupe du Monde, à la 9e édition qui aura lieu donc dans 40 jours. On joue notre partition en augmentant les primes de participation. Nous sommes passés de 10 millions de dollars en 2015 au Canada à 50 millions en France il y a 4 ans. Et cette année, on parle de 152 millions, dont une partie va directement dans la poche des joueurs. Si un jour, à l'occasion de jouer les phases de groupe, de poule, donc le minimum qu'elle va percevoir, c'est 30 000 dollars. Et si vous avez la chance de faire partie des équipes finalistes, vous touchez à titre individuel de 170 000 dollars. C'est donc plus qu'un salaire annuel en général pour ces footballeuses. Et donc cela prouve encore une fois que pour la FIFA, nous ne faisons pas de distinguo entre le football féminin et le football masculin. Pendant des années, c'était le football masculin qui finançait le football féminin. Et pour la première fois également dans l'histoire du football féminin, nous allons avoir et connaître la vraie valeur de la Coupe du Monde des femmes. Et cet argent nous permet de le réinvestir dans le développement du football féminin, de professionnaliser, d'avoir plus d'académies. Dans tous les pays où on voit, 80% n'ont pas d'académie de football pour les femmes. Et c'est aussi l'occasion pour nous de dire au président de fédération, mais également aux membres des comités exécutifs, écoutez, les filles sont là, elles sont là pour longtemps et il faudrait quand même commencer à changer la donne et avoir une plus grande ouverture d'esprit en mettant également le football féminin au centre de vos préoccupations comme vous le faites pour les garçons. Et c'est un message qu'il faut répéter à chaque fois. Et parfois ça passe, parfois on insiste. Et ces missions pour nous sont vraiment une ouverture de l'esprit, mais aussi des yeux, et qui nous permettent aussi de regarder la réalité du football dans toutes les catégories de très très près, mais également apporter notre contribution, canaliser certains efforts qui sont faits pour récompenser ou pour récompenser les équipes, mais aussi pour les professionnaliser, pour avoir plus d'arbitres, avoir avec des licences A et avoir plus aussi de coachs qui peuvent aussi les amener au niveau vraiment du football de l'élite. De ce que vous avez vu, c'est vrai que vous étiez juste avant au Vanuatu, là vous êtes donc 2 jours ici en Calédonie. Vous êtes confiant sur les avancées ici? Oui, je pense que la Calédonie n'a pas besoin qu'on lui fasse une piqûre de rappel sur l'importance du football féminin. Tout est fait ici pour qu'il n'y ait pas justement de différence entre le traitement des joueurs et des joueuses. Et tout ça, c'est vraiment à mettre au crédit du président de la fédération, mais également des membres du comité exécutif. C'est un ancien Goul, très connu sur l'île, et qui a à cœur de faire en sorte que toutes les jeunes filles puissent vivre leur passion autant que les garçons. Et je pense qu'il est sur la bonne démarche en essayant aussi d'avoir une vraie académie de football, mais également d'avoir peut-être dans 2 ou 3 ans un centre d'hébergement et pour réduire également les coûts de fonctionnement, les coûts opérationnels qui sont très lourds quand on connaît l'étendue de l'île et les montants qu'on met pour que les clubs puissent venir se regrouper à Nouméa ou à côté. Avoir ce centre ici à 10 minutes de la capitale avec un minimum d'équipement permettrait de faire certainement des économies d'échelle et ces économies pourraient être réinvesties dans le football à travers donc l'édification de beaucoup plus de gazon artificiel, de terrain de gazon artificiel, mais également de pouvoir créer vraiment les conditions d'un centre d'excellence qui pourra peut-être même au-delà de la Nouvelle-Calédonie héberger aussi et traiter les joueurs qui sont dans les îles du Pacifique. Donc moi je repars d'ici très satisfaite parce que ce que j'ai vu ici m'a convaincue qu'on n'a pas besoin vraiment de réitérer le message du président Infantino. Nous voulons que le sport qui est le plus populaire ici dans cette île soit joué à tous les niveaux, par toutes les catégories, sous toutes les latitudes. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous avons également, nous, décidé de soutenir la Fédération calédonienne de football pour donner plus de visibilité à la Fédération, pour aussi faire des plaidoyers auprès de la Fédération française de football, quand on en aura l'occasion, mais également auprès de la Confédération de l'Océanie, pour que plus de moyens puissent être dotés, parce que ces îles sont un petit peu loin du monde. Et certains coûts qui paraissent naturels dans certains pays qui sont beaucoup plus compacts paraissent extraordinaires ici. Et ce sont ces coûts-là, malheureusement, qui grèvent les budgets de ces fédérations.
et qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie des recettes qu'ils reçoivent de la FIFA sont investies dans le transport et dans l'hébergement plutôt que d'être investies dans le développement des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours essayé, un petit peu fasciné le président de la FIFA. On a eu il y a quelques années au cours d'un sommet vraiment la cartographie de l'Océanie sur celle de l'Europe. Et on a vu que pour aller d'une extrême à l'autre, il y a quand même 8 heures de décalage horaire ou parfois 8 heures de route. Et cela prouve qu'on est presque dans un autre continent et ce sont ces genres de coûts que nous essayons de... sur lesquels on ne peut rien faire. Les distances sont ce qu'elles sont, les coûts étant ce qu'elles sont. Si la FIFA peut venir en appui pour essayer au moins d'assister les fédérations qui sont dans cette situation avec plus de moyens pour qu'elles puissent investir sur les compétitions, c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est ce qu'on a prévu de faire aussi dans le cadre de ce FIFA Forward 3.0. Madame la secrétaire générale, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ces explications, on espère vous revoir très vite, aussi peut-être à l'occasion de la Coupe du Monde. Mais je vous souhaite les bienvenus en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et on aura à cœur également d'avoir une pensée aussi pour tous ces pays qui se démènent vraiment comme ils peuvent pour pouvoir permettre au ballon rond de continuer à rouler partout et de tout temps. Allez, on est de retour à Nouma Dele. Ah bah, il s'est passé pas mal de choses dans cette fin de première période, John. Au-delà du fait que, et c'est important, l'Horizon Passo mène 1-0 pour l'instant. Tiga, qui n'a pas su trouver le chemin des filets, il est vrai. Et pourtant, avec un Weah Washetine extraordinaire cette première période. On a un portier du côté de l'Horizon Passo qui a su enrayer toutes les attaques, même les 1 contre 1, il a gagné son duel. Plusieurs duels d'ailleurs. Et puis ce but splendide de Georges Berrounet. Mais aussi un des faits marquants, bah c'est. Donc effectivement, on a eu un peu plus d'infos. Donc cette réserve posée, réserve technique posée par Tiga Sport, donc a été. En tout cas, dans le process, ça a été mal fait. Hein. On rappelle qu'une réserve technique doit être posée en présence des deux capitaines et un arbitre assistant. Donc là, clairement, c'était pas le cas. Et ça doit être sur le terrain en plus, John. Donc. Je ne comprends pas pourquoi M. Maroui est parti dans le vestiaire avec en plus Joël Wakanoumene qui devait être concerné. Donc il y a eu apparemment une petite friction entre Joël Wakanoumene et l'arbitre central. Donc ça, Tiga Sport a demandé une réserve technique. C'est leur droit. M. Maroui l'a accepté. Par contre, c'est vrai que ça a été un peu mal posé, entre guillemets. Quoi. Et quel impact ça peut avoir ? On verra pour la suite. En tout cas, voilà, nous. Est-ce que ça peut annuler un match ? Est-ce que ça peut recommencer ? Ah oui, ça peut arriver s'il y a une vraie faute technique. Que le match soit rejoué ? Par rapport à l'arbitrage, ça peut être. C'est rare, hein ? Mais c'est vraiment sur une faute d'arbitrage. Là, visiblement, bon, il y avait plus. J'en ai pas forcément. Après, ça peut aussi partir sur peut-être des sanctions. Au niveau du corps arbitral ? Oui, après je ne sais pas trop. En tout cas, ça c'est les. Encore une fois, ça sera traité ensuite en commission. Si en tout cas la réserve aboutit. Quand on verra bien. Hein. Nous on va rester concentrés sur le jeu. Bon ballon avec David Ouadra, il n'y a pas de hors-jeu, Ouadra, la frappe, et encore Washetine. Hein. Oui, Washetine qui la sort. Quel match c'est il nous fait. Ouais, faut qu'il laisse. Ça y est, c'est sifflé, c'est joué, ça sert à rien d'aller réclamer, de parler à l'arbitre. Alors on voit cette belle frappe du bout des gants. Ouais. Et donc il va être fatigué ce soir, notre ami. Weah. Alors que Jean-Jacques Berrounet est rentré. A fait son entrée, oui. Ouais, on va essayer là, de gauche. Forcer un peu le destin. Lui qui a fait. On peut dire, ouais, côté Tiga Sport. Auteur d'un doublé la semaine dernière. Pardon, John, je t'ai coupé. Oui, Jean-Jacques, oui. C'est lui qui a sorti Tiga de sa situation.
ils perdaient 2-1. Finale. Oui, et puis en coupe aussi. En coupe aussi. Il reste sur deux doublés. Hein. Deux doublés. Donc, Les deux frères Béarounais, donc, qui sont... Attention, parce que là, c'est un bon ballon. Bien fait, bien défendu aussi de la part de Wallepan, qui fait vraiment une superbe saison. Watron avec Wadra. Et Glenn Wayaridri. Attention, hein, il va très vite. C'est fusé, hein, ce joueur. Glenn Wayaridri. Après le deuxième ballon pour Tigasport. Une opportunité égalisée avec encore Pierre Wawia. Bah, deux joueurs, deux anciens joueurs de. Ah, bien fait, Béarounais. C'est Gérard, oui. Hein, sans problème. Ah non, c'est. Ils font toujours peur à jouer comme ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne tirent pas des leçons. De... Continue à se mettre en danger. Ils continuent, continuent. Pourtant, ils mènent 1-0, préserver ce score. Je crois que c'est le. En tout cas, tenter de préserver ce score là. En tout cas, ils sont bien rentrés dans cette seconde période, l'équipe de Tocanod. Ouais, Tigas, si. Et voilà, on retrouve Wadra. Ses talents offensifs, cette volonté d'aller très vite vers l'avant et mettre la pression pour égaliser. Ah, ça continue, ils veulent pas. Hein. Super, la tête ratée. Il était superbe ce centre. Béarounais, Yagi Béarounais. Oui, c'est imposé là. Gérard Roya. Il me semble que c'est Kevin Nalain, hein, qui a laissé sa place. Oui, en général, il sort toujours à deuxième mi-temps. Pourquoi les garçons, ils n'arrivent pas à sortir ce ballon sans se poser de questions et puis. Au lieu de vouloir repartir de très bas alors que le bloc de Tigasspor est très bas aussi. Un coup franc intéressant. Ça va certainement être plongeant. Entre il y a du vent, on voit le ballon. Il faut chercher entre le point de pénalty et le gardien. Hein, c'est là où c'est difficile d'intervenir. Ah, faute. Il a tenté direct, seconde chance, c'était compliqué. Voilà, c'est là où ils sont le plus dangereux, quand tu sautes cette ligne là. Et ils le font, ils arrivent à le faire. Oui, et puis en plus on a un Wamejo assez mobile et disponible. Ils peuvent, voilà. Ah, quand ils sortent le ballon et puis après ils pressent, ah, c'est là où ils sont le plus dangereux. Mais quand ils essayent de jouer à la balle derrière, l'équipe de Tigasspor est en supériorité numérique. Donc ils sont peuvent récupérer ce ballon et puis aller très vite après. Oui, parce que le pressing est enclenché avec cette ligne offensive de 3. Comment ils sont beaucoup derrière, et devant, pardon. Et derrière, ils sont que 3, 4 avec le milieu défensif s'ils restent. C'est vrai qu'on enclenche ce pressing pratiquement à 6 joueurs. Hein, oui. Pressing contre donc pressing. À chaque fois qu'ils rentrent, les équipes qui vont affronter Tigasspor, s'ils veulent les mettre Tigasspor en difficulté, y a juste ça à faire. Allez, à chaque fois que le ballon il arrive à cette hauteur-là, des 16 mètres, 20 mètres, bam, devant le groupe. Mais par contre, il faut que derrière, il y ait une que tous ensemble sortent. Quoi. Soit les 11 joueurs qui sortent et qui... Ah, on le voit, hein, supérieur. Ils sont tous devant. Voilà, c'est à ce moment-là. Là. Voilà. Et après, il faut que les autres aussi, il faut que ça se projette. Il faut qu'ils se projettent tous vers l'avant. Pas juste un seul. Ou... Et on renvoie de Dounezek.
Après, ils sont en galère. Ils n'arrivent plus à revenir, les attaquants. Voilà. Ah, tu vois comment ils arrivent à mettre en difficulté? Parce que juste... Ouais, heureusement, c'était un peu derrière... Jacobo Chetil, ce ballon. Ah, l'avantage peut-être qu'il aurait dû être laissé. Il avait déjà sifflé. Ouais, monsieur. Il va se prendre un deuxième jaune, je crois. Non, son premier jaune, capitaine. André Washington. Ouais, ils ont plus leur piston du début, la Tigasport qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. C'est ce travail d'arrache-pied là qui arrivait à maintenir un équilibre entre oui, l'aspect aussi défensif, que... l'aspect offensif. Là, les flanqueurs, ils restent. Hein. Il y a aussi l'absence. Elle est notable de David Baroni, hein, par exemple. Dans ce rôle que tu décris, si bien John, c'est vrai. Ouais, ça se bat là-bas sur le côté droit de cette surface de réparation, mais ce ballon qui est sorti. Pour l'instant, Passo qui tient une victoire précieuse. Et un match qui devrait. Alors, c'est pas Luc André Washington. Si, c'est Luc André Washington. C'était pas lui. Là. Et je comprends pas pourquoi il laisse ce ballon. Allez. Ah bah ils le connaissent bien. Hein. Ils le connaissent bien leurs joueurs. Ouais non, il y a faute pour Horizon Pato. Ouais, il y a une faute pour eux là, carrément. Ça chauffe, ça chauffe. On va s'excuser aussi du petit souci technique qu'on a eu en première période. John, sur une des caméras, c'était un peu, du coup le pourquoi de la qualité d'image un peu défaillante sur les parties de la première mi-temps. Au-delà de l'éclairage qui est difficile et délicat à nous Madélé, ça. On l'a déjà signalé. Mais bon, on va tenir jusqu'au bout. On voit les projecteurs diminuer au fur et à mesure de la saison. On croise les doigts. Et encore, vous n'êtes pas du côté où... de l'autre côté de la tribune d'honneur où les gens qui sont au stade voient aussi que c'est encore pire hein, du côté, côté de la tribune d'honneur. Ah, ce bon ballon avec Watron et encore Wea qui est encore intéressant Wea qui est, ouais, dans ce qui rôle intervient qui, d'anticipation. Voilà, ces deux hommes, hein. C'est Georges Béarounet dans son rôle sur le terrain et puis t'as Wea qui sécurise tout. Et un peu moins performante cette défense qui, pas sur l'aspect défensif, hein, où, mais sur cette paix où il faut remonter le ballon. Depuis la défense, où il y a beaucoup de prise de risque, prendre des risques à 1-0 dans ces 16 mètres, dans ces 20 mètres, c'est dangereux. En tout cas, attention, ça c'est un ballon qui peut être dangereux. On est bien sorti encore d'un de Wea Washington qui. Multiplie ses sorties, multiplie les bon arrêts, ballon. C'est un super bon. Non, là, il y a pas. Non, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Hein. Là, c'est. En tout cas, c'était dans le bon tempo. Ouais, et c'est bon timing, bon tempo. L'idée. Alors, on va revoir ça au ralenti, forcément. Ouais, il n'y a pas du tout hors-jeu. Hein. Ouais.
Peut-être. Finalement, ouais, c'est pas évident. Merci La Real, merci Ralenti. C'est vrai qu'il est arrivé lancé de derrière et pas évident à juger. Là, c'est faux qu'ils aillent presser. Faut qu'ils aillent presser là. Les joueurs de Léo Lopez. Plus haut. Et toujours 1-0 avec John, ce but splendide, on le rappelle, de Georges Béarounet. Et comme tu dis, ils vont essayer de pousser ce bloc adverse à reculer du côté de l'équipe de Léo Lopez. Accentuer la pression, la domination. Ça. Et puis vu que s'ils voient un peu comment ça, depuis la première mi-temps, que les joueurs de l'Horizon Paso essayent de ressortir au sol depuis derrière. Donc ils peuvent profiter de ces occasions, ils savent que pas de dégagement, accentuer le pressing, accentuer le mouvement collectif là pour sortir sur le porteur du ballon et ceux qui sont autour. La volée, ça passe juste au-dessus, celle de Ouadra, il est au second poteau. Ah, ils insistent, on entend même d'ici Léo Lopez là qui... Ah, c'est là, faut qu'il reste. Qu'il reste parce que, à moins que le gardien va dégager. Ouais, il va dégager. Ils sont en train de les asphyxier, mais attention au contre, hein, parce que offensivement, la qualité du côté de cette équipe de Marais, il n'en faudra pas beaucoup hein, pour Jean-Paul Ouamedjo, qui on le rappelle est déjà à 11 buts durant cette saison 2023. Et le voilà, justement, Ouamedjo, le petit ballon en retrait et le dégagement de Matelon. Oh. Ah, pas de prise de risque, mais il faut qu'il continue. Ça, c'est pas prendre de risque. Non, il n'y a pas faute. Bon, il y a faute. Faute sur. On voit. C'est vite joué. Ouais, ça. Il y a le retour direct. La frappe de Ouadra s'est écrasée. L'égalisation de Jacques Ouattron. Ah, c'est joué vite. Second ballon. Plein d'opportunisme. Il y a une faute qui a été signalée, l'arbitre il a plus écouté le joueur. Après ça a joué vite, le joueur qui était au sol, qui voilà, Glenn Wayaridri qui était au sol et qui... bon ballon en retrait. Après derrière... Et ce renvoi, ce mauvais renvoi. Dommage. Et ça se sentait de toute façon que petit gars allait égaliser. Peter Aiwegené malheureux sur le coup. Ouais, ça se sentait. Hein. C'est vrai qu'ils poussent depuis l'entame de cette seconde période. Ouais, et puis l'Horizon Paso leur donne l'occasion de. Un but partout. Ça promet pour cette dernière demi-heure de jeu qui arrive. Hein, on voit un beau match. Un peu tout vu dans cette rencontre. Donc on devrait avoir une belle demi-heure de J'espère. Jeu. J'espère. On a vu un but magnifique, un match coupé plus de 10 minutes pour une réserve mal posée. Donc on devrait quand même avoir une fin palpitante de cette rencontre avec une équipe de Tiga qui pousse, qui essaye d'acculer l'horizon dans son camp. Et pénalty. Et pénalty. Et ben voilà, je vous disais que ce match était un peu fou. Je ne pensais pas si bien dire, malheureusement pour l'horizon. Ouais, on va revoir ça ralenti. Alors, c'est en plus sur Jean-Jacques Béarounet. Alors, Luther Wakonone, forcément. Alors que l'entraîneur est rentré sur la pelouse. Alors là. Ouais, parce que ça fait. Ah, mais là, il va être averti. Ça guide. Yahweh Wolf. Ouais, non, il n'y a pas faute. Il prend le ballon avant. Hein. Il on sort va le ballon encore. Alors. Il n'est pas content, hein, monsieur le coach de l'Horizon. À se calmer hein, maintenant.
Alors là, c'est compliqué quand même. Ah, c'est malheureux sur. Ouais, je le disais, c'était un match un peu foufou, mais là, bon, ça déborde complètement. On va rester sur ces. Ouais, bah, je crois que les joueurs de Poisso, l'horizon rentre et quitte le terrain. On va voir ce que ça donne. Ouais, le match est arrêté. Hein. Le match qui, pour l'instant, est arrêté. Alors, on va voir comment ça évolue tout ça, mais alors. Consternant. On va voir, hein, peut-être ça va se calmer un peu. Non, mais il y a beaucoup de choses. Juste avant, il y a eu le but où l'arbitre signale une faute. Après, mitigé, c'est joué rapidement. Ça entache l'image du football. Alors, le match pour l'instant est arrêté. On va demander certainement à que le calme revienne. Forcément Tika qui veut en rester là. Mais les joueurs de Poisso non plus n'ont pas envie que ça se termine. Enfin, je sais pas. On va voir un peu comment ça évolue. Là voilà, bah, les joueurs ils sont solidaires, ils veulent plus jouer. Après ça va être. Les conséquences vont être dramatiques, hein, pour l'équipe. Enfin, je sais pas. Je vois le président de la Fédé en bas, au moins comme ça, la fédération est présente. De toute façon, constater que voilà, le match pour l'instant est arrêté. Alors, c'est bien dommage. Peut-être que. Mais j'avais pas l'impression que les joueurs, ouais, de l'horizon avaient plus ou moins pas trop envie que ça se termine, même si c'était pas. C'est vrai que la faute elle est pas. Bah, on va revoir le replay, mais. Là le voilà. Voilà le replay. On le voit. Ouais, on revoit. Hop là. Et après, il joue le ballon d'abord. Ah oui, il joue le ballon. Il n'y a aucunement faute. Il n'y a pas de faute. Il joue le ballon en premier. Donc ça, mais voilà, ça fait partie. C'est le posé réserve de tout à l'heure qui a influé, oui, sur, ouais, quelque chose. Il est revenu et il a sifflé des fautes en faveur de Tiga. Mais c'est clair qu'après derrière, ça a créé des tensions. Ça perturbe. Ce match qui, j'espère, va reprendre, on l'espère tous. Bah moi, je comprends s'il s'arrête le match. Ça va se calmer un peu. Je pense que les joueurs, forcément, ne sont pas d'accord avec la décision. Oui, mais après. Ouais, il n'y a pas faute. Désolé. Mais oui, c'est. Ah, je veux bien revoir aussi la faute de tout à l'heure. Mais c'est une succession, comme tu dis, de. Bon, nous on est là pour commenter, pas pour juger, mais c'est. Non, non, mais c'est l'effet. L'effet qui se passe, ça se dégrade. En tout cas, c'est une situation, et je le disais, c'est pas aussi. Nous on sent un peu aussi les choses venir en tant qu'ancien footballeur. Bah oui. On sentait qu'il y avait. On sent que ça allait. Là, on le voit déjà. Ici. Là, il n'y a pas faute. Et lui, il siffle, et en bas, il se plaint. Il se tord de douleur et ça joue vite. Et c'est ce même joueur qui se tord de douleur qui va donner un ballon de but. Mais moi, je trouve ça injuste aussi. Moi qui suis joueur, je trouve ça injuste. Regardez, il est en train de se tordre de douleur. Et là, pose le ballon. Voilà, il se relève. Pam, ça joue vite et c'est lui qui part. Mais non. Ouais. Ça, c'est le football, alors, ça c'est. Après, le coach ne doit pas rentrer quoi qu'il arrive sur le terrain. Et après, comme c'est, ça. Bon, c'est clair que. Sagitt, y a Wewol qui a pas. Contenu s'énerve malheureusement. Bon, on va voir, ça va se calmer. Ah, on est dans une mi-temps, deuxième mi-temps qu'on espérait c'est pas. Malheureux, folle, ça a été entaché par. Voilà. Comment, ouais. Non, ça a été entaché par le début de cette mise en scène d'arrêter et puis d'aller faire poser réserve. Ah, mais je comprends. Après, c'est clair que c'est difficile de garder son calme dans ces conditions, mais il le faut pourtant. C'est un peu. C'est
tergivère, c'est ce qu'on va reprendre. Oui, c'est deux erreurs coup sur coup qui changent la donne du match. Parce qu'il y a but. Et là, il y a une deuxième, c'est un pénalty qui peut donner but aussi. Enfin, qui va donner but. Non, ça, c'est pas. Ah, c'est sûr, hein, c'est dur d'encaisser pour les joueurs de Passo. Ben, bien sûr. C'est bien sûr, surtout qu'ils le voient. C'est un peu. Et voilà, c'est le match est fini. C'est plus les dirigeants. Enfin, les dirigeants. Le coach qui s'est emporté parce que j'ai pas vu les joueurs. Non, mais bon, la réaction des joueurs comparée à celle qu'on a eue il y a 3-4 semaines où ça a pété un câble. Là, les joueurs. Il n'y a pas eu cette réaction violente ou cette envie de. Ah non, mais c'est non. Sûr. Après, c'était vraiment plus le coach déjà qui oui, est sur le terrain. Donc, et puis il est monté, cru voir le président. Il a perdu son. Bon, encore une fois, les images sont là. Chacun jugera. Ce qui est dommage, c'est qu'un match, pour l'instant, est visiblement est arrêté, fini. Ben voilà, c'est terminé. Donc, on en était à un partout. Et il va y avoir ensuite. Une nouvelle fois, des commissions fédérales qui vont devoir travailler et juger tout ça. On est dans une mauvaise période, faut le dire. Où il y a un regain de tension, on va appeler ça comme ça, hein, parce que ce n'est pas que sur ce match-là, c'est très dommageable. Malheureusement. Ouais, puis en plus on s'attendait à une dernière demi-heure ouverte, engagée. Ouais, puis oui, puis je trouvais une équipe. Je voyais une équipe de l'Horizon qui était bien, qui après défensivement avait des difficultés. Parce qu'ils se mettaient en difficulté. Non pas parce que. Et puis après, petit à petit, il y a eu cette section d'événements. Le match a basculé et peut-être au moment où il y a eu le réserve, qui a été. Ils ont été posés réserve pour. Mais c'est pas grave. Bon. Si t'es pas à la hauteur cette année, tu le seras peut-être l'année prochaine, mais. C'est pas grave. Mais après, sur la réserve, on sait pas nous vraiment ce qui s'est passé. Donc. Non, mais je sais pas, mais on les voyait quand même en difficulté. C'est. Et après, de profiter. Changement comme ça au niveau arbitral, ça sifflait des fautes. En tout cas, voilà, nous on est à chaud aussi, on a des réactions peut-être, pas adéquates. Mais en tout cas, l'image du football est encore une fois ternie. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'éléments fâcheux comme il s'est passé il y a 3 semaines. Ça s'est arrêté, pas dire sur une bonne note, Romain, mais ça s'est arrêté correctement. L'arbitre a sifflé autour vestiaire pour tout le monde. Et puis, il y a des joueurs de Passo qui sont avec les joueurs de Tigard, on le voit. Hein, non, mais en plus, mais très sincèrement, les joueurs voulaient continuer. Je pense. Après, bon, c'est vrai que. Oui, mais après, ils peuvent pas continuer. Ils sont pas maîtres de tout. C'est ça. Il y a eu. Excès d'énervement en bas. Mais, comme on dit, l'émotion, elle est dure à gérer dans le sport, le football, dans le sport en général, qu'on soit joueur, dirigeant, supporter. Ça, c'est compliqué. Mais la difficulté, encore plus, sur dans le contexte, là, c'est qu'il y a eu cette phase de première mi-temps où ça a été arrêté pendant 10 minutes. L'entraîneur, à un moment, au bout de 10 minutes, il a été voir pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est de voir des faits de jeu qui. À ses yeux ne sont pas corrects. On va peut-être revoir les moments forts de cette rencontre tout d'abord. Et puis on aura peut-être l'intervention du président de la fédération là du coup qui est au stade. Donc ce serait aussi le bonne occasion d'avoir son ressenti. Puis savoir un peu ce qui s'est passé, parce que bon, nous on est quand même haut dans ces tribunes. Ce qu'on peut voir du haut, c'est ça. Voilà, le jeu, c'est ça qu'on aime. C'est ça, exactement. Et puis, il y a eu des phases de jeu intéressantes. L'Horizon, sur sa qualité, devant. Et puis, c'est. Ouais, une belle rencontre avec deux belles équipes. Deux belles équipes, ça jouait. Il y a une équipe de l'Horizon et son numéro 10 gaucher.
Puis même avec une équipe, ouais, Tiga avec une équipe amoindrie, ils ont quand même toujours gardé leur. Là, on le voit. Ouais, leur jeu, leur allant offensif. Ouais, c'est ça. Leur manière d'aller presser très haut lorsque le ballon est dans la partie adverse, dans le camp adverse. Donc on a vu, il y a eu, là on le voit encore, là ça a été une erreur encore de la part des joueurs de l'Horizon Pato qui se mettent en difficulté tout seul. Là on a encore une autre. Là il y a eu plusieurs phases où justement ces joueurs de l'Horizon ont donné l'opportunité à Tigasport de. Mais ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas, malgré. Et puis après, il y a cette réclamation à la. Ah, c'est celle-là. Je crois que c'est à ce moment-là. Non, c'est pas celui-là. C'est juste après. Ils ont buté sur Wea Washetin. Et puis ce but. Dire de ce but? Hop, contrôle. Et puis lever la tête. Pris l'information. 35 mètres 40 mètres après, à peu près 40 mètres. Hein. On voit la prise d'info. On a quand même beaucoup de joueurs calédoniens qui sont capables de nous faire ça. On repense à ce but d'Antoine Rouiné. On va penser à Pierre Wadjoka qui était très fort aussi pour nous sortir des buts venus de nulle part, là, de très loin. Pour ne citer que. Ouais, et puis après, il y a eu ça, ici, je crois. Non, non, c'est pas ça. Ouais, cet arrêt, cette frappe lourde de. Elle est là, cette frappe. De Watron, Jacques Watron. Et quel arrêt de Washington. Et puis Wea derrière qui continue. Il aura fini par se faire. Ouais, il l'a fait. Hein. Ça a été l'homme de cette première mi-temps du côté de l'Horizon Pato, malgré le but, le super but de Georges. Et puis ouais, il y a cette action. Cette action qui. Le rush. Qui va donner naissance à cet arrêt de 10 minutes en première mi-temps. Et après, c'est une reprise de jeu un peu moins intensive que les 35 premières minutes. Encore une erreur à part de cette défense de l'Horizon Pato. Et encore Washetin. Encore Washetin qui a sauvé beaucoup, 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 beaucoup de ballons. Et puis encore Washetin en deuxième mi-temps. Infranchissable, comme on dit, le mur. Aujourd'hui, Washetin, qui aura fini par craquer, on va le voir sur une des actions litigieuses là, qui part sur le côté. Mais avant cela, c'est vrai que il était partout. Là. Et surtout, il était là. Ce qu'on appelle les gardiens proactifs, hein, c'est qui sont très dans l'anticipation. Et puis voilà, ce but. Ce but alors qu'il y a une faute devant l'arbitre. C'est devant l'arbitre qui signale une faute. Kawatron, il fait le geste parfait. Enfin, il parfait. Est là, il est bien positionné, mais et de suite après, donc c'est cet enchaînement là, de suite après où ça a été très vite, on resignale le penalty. Le penalty, pareil pour une faute pas évidente du tout. Une faute, la première qui donne un but, la deuxième qui allait donner un but. En tout cas, difficile de garder son calme. Et arrêter à un but partout. Et après, ce sera aux instances d'en décider quel sort il en suivra. Donc voilà, en tout cas, on va. On est dans l'attente. Ouais, on va attendre, attendre. Tout ça. On va aussi attendre l'intervention du président de la fédération, Gilles Tavergeux, que l'on a invité à nous rejoindre pour nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé, la situation en bas. Et puis en attendant, on vous projette juste le Calédo Foot, le tout dernier, qui est sorti hier, où on recevait notamment Patricia Gonzalez, qui nous parle du programme FIFA de développement. Et puis également le résumé de la coupe. C'est parti, on se retrouve juste après. Madame Fatma Samoura, bonjour. Déjà, tout d'abord, bienvenue. Dix
sixième numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Cagou qui a été à la rencontre de Patricia González, responsable du programme FIFA du développement des talents, l'Espagnol qui aura passé 2 jours avec la direction technique de la FCF, c'était courant juillet. Calédo Foot qui revient également en images sur les 8e de finale de la Coupe de Calédonie, avec notamment la rencontre Lossi Bélep Mondor et un passionnant Cougné Saint-Louis. Tout d'abord, je voulais remercier les gens de Nouvelle-Calédonie qui nous ont accueillis si chaleureusement. Nous avons passé un très bon moment ici. Mon nom est Patricia González et depuis 3 jours, j'ai découvert le pays et j'ai rencontré les gens de la fédération avec mon collègue Tony Redding. Nous faisons partie de l'équipe High Performance de la FIFA. Et notre mission ici, c'est de discuter avec la fédération concernant le programme de développement des talents de la FIFA. C'est un nouveau programme que nous avons lancé il y a 2 ans. Notre espoir, c'est de voir de plus en plus d'équipes évoluer au plus haut niveau. Nous espérons aider la fédération à élever la compétitivité des équipes nationales de Calédonie. C'est la raison de notre présence ici. Nous savons que la région a un haut potentiel. La FIFA veut augmenter le niveau des compétitions pour augmenter le nombre d'équipes atteignant le haut niveau. Une belle preuve de cela, c'est de voir vos U17 calédoniens participer à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Nous voulons voir arriver ce genre de choses plus souvent, chez les garçons comme chez les filles. Pour cela, nous faisons 2 choses. D'un côté, la FIFA augmente le nombre d'équipes participant aux Coupes du Monde, que ce soit chez les U17, les U20 ou encore les seniors. Et d'un autre côté, nous voulons, avec les différentes fédérations, améliorer la qualité de jeu par le développement des talents. Et c'est ce que nous faisons. Pour cela, nous apportons notre expertise, notre savoir-faire éducatif, mais aussi le partage d'informations entre fédérations. Nous finançons les associations membres pour qu'elles puissent mettre en place les techniques de développement que nous leur proposons. Avec la particularité géographique de cette partie du monde, nous pensons que c'est un bon moyen de recruter les nouveaux talents en centralisant les meilleurs joueurs ensemble. Et ça, vous pouvez le faire ici au sein des académies, d'autant qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons un très bon exemple de fonctionnement grâce à votre partenariat avec le comité olympique et à travers le CIS, où se trouve actuellement l'académie féminine. Nous pensons que c'est un environnement parfait pour non seulement développer les talents de joueurs de football, mais aussi le côté humain. Ainsi, il s'agit de les perfectionner en tant que joueuses, mais aussi en tant qu'élèves, à travers la réussite scolaire. Donc oui, nous sommes très attentifs à cette région du monde et comment on y travaille, de comment évoluent ces joueurs et joueuses et de comment on met en place cet environnement pour développer le potentiel. C'est comme cela que le niveau des équipes nationales pourra augmenter. J'étais là il y a 4 ans, je suis impressionné de voir l'amélioration du niveau de jeu en si peu de temps. J'espère vraiment que quand je reviendrai avec Tony Readings, qui est dans la région, je verrai encore des progrès, avec une attention particulière pour Lifou, qui semble être un vrai centre de talent. Merci encore de votre accueil et à bientôt. Vainqueur 3 fois de la Coupe de Calédonie dans son histoire, le club de l'AS Lossi affrontait ce samedi 29 juillet en 8e de finale de la compétition la formation du FC Bélep Mondor, ancienne pensionnaire de Super League, qui évolue désormais en PH Sud, un 8e qui se disputait au stade Boeva de Boulari au Mondor. Lossi logiquement favori pour cette confrontation. Mais c'est un début de match plutôt équilibré auquel on assistera avec des joueurs de Jules Wakanumune qui vont insister sur les côtés pour tenter de bousculer cette équipe de Bélep Mondor. Alors que dans un jeu de transition rapide, en cherchant notamment la profondeur à leur capitaine Jonas Tianyuen, les bleus et jaunes qui vont réussir à se montrer dangereux en trouvant des espaces dans cette défense de Lossi, pas toujours bien alignée.
D'ailleurs, la plus grosse occasion de ce début de rencontre, elle est à mettre au crédit de l'intenable Jonas Tanyuen, le numéro 9 de Belep, qui vient buter sur l'excellent Warren Lupa. Après une légère alerte sur le but d'Albert Buanaoué, allez, c'est finalement Lossi qui va ouvrir le score. Après un beau travail côté droit de Nathanaël Mahen, c'est Willy Reed que l'on retrouve à la finition, attaquant de Lossi qui fusille. De la Fédération Gilles Tavergeux qui était au stade ce soir. Président, bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, bon, on aurait aimé vous faire venir monter en haut en tribune commentateur pour notre contexte, mais bon, voilà, ce match qui est arrêté. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Et puis, on a vu un peu ce match monter en tension. Qu'est-ce qui s'est vraiment et réellement passé ce soir pour que ce match ne puisse pas aller à terme? C'est difficile de parler à chaud, mais bon, on va prendre le temps qu'il faut. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est qu'on s'excuse auprès des téléspectateurs pour cette piètre image que le football calédonien donne encore. Mais quelque part, il faut aussi qu'on en tire les conséquences et puis aussi essayer de voir ensemble comment on peut essayer de trouver des solutions à ce problème qui vient de se poser. C'est-à-dire que aujourd'hui, les arbitres ont pris des décisions qui sont contestées et tout. Et après, on a un envahissement de terrain par le coach et une autre personne. Et après, les joueurs aussi de Horizon qui se sentent peut-être un peu mis à l'index, mais voilà, c'est les lois du jeu, elles sont appliquées. J'ai aussi subi ça quand j'étais joueur. Il ne faut pas faire d'amalgame et puis tout de suite se sentir agressé. Je veux dire, ça fait partie du football. L'erreur, elle est humaine. Hein, les arbitres, ce sont des humains. Et sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais ça passe aussi par une éducation de nos supporters, de nos dirigeants, et puis de ce message qui doit passer entre joueurs, dirigeants, les arbitres. Et puis, c'est comme ça qu'on peut faire avancer le football. Ce n'est pas en essayant de se croire la victime maintenant des arbitres, parce qu'il y a eu ce souci à Marais. Non, au contraire, il faut essayer de relever la tête et puis de montrer qu'on est des gens responsables et puis qu'on a des responsabilités vis-à-vis de la jeunesse. Quelle piètre image, je vais dire, qu'on a montré ce soir, quoi. Ouais, alors, président, c'est vrai qu'on parlait avec John, que l'on salue, hein, qui nous a, du coup, qui est juste à côté, mais on parlait justement de cette émotion qui est dure à gérer. Il y a ce match un peu particulier où on s'attendait à une deuxième mi-temps un peu particulière parce qu'il y a eu aussi ce match arrêté pour une réserve aussi qui a été un peu posée, entre guillemets, mal posé. Voilà, c'est un peu tout ça aussi qui a fait monter en tension, vous pensez, ce match? Non, mais c'est aussi une responsabilité des dirigeants. Je veux dire, quand il y a des petits problèmes comme ça avec l'arbitre, il faut que les dirigeants, au lieu de mettre, comme on dit, de l'huile sur le feu, il faut apaiser les choses et puis dire qu'on a la possibilité de rebondir sur ce genre de choses en posant des réserves techniques, en faisant aussi à la fin du match une réserve d'après-match et puis de la faire signer par les deux capitaines et les arbitres. Et puis de faire remarquer aux délégués certaines choses. Les délégués, il n'est pas là juste pour embellir le stade de Magenta, il est là pour représenter la fédération. Et la fédération, c'est notre représentant et mon représentant à moi sur le stade, c'est le délégué qui était là. Et voilà, et donc il faut le respecter aussi. C'est vrai que ça tombe dans une période un peu délicate, l'arbitrage qui avait été un peu secoué malheureusement par cette affaire du côté de Marais. Comment la fédération va encaisser encore tout ça? Je pense que la commission d'organisation déjà va étudier ce match arrêté. Si on applique les règlements, c'est facile. Ensuite, le rapport des arbitres, le rapport du délégué par rapport à ce qui s'est fait, ce qui s'est dit aussi dans les couloirs, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Et puis il y a des personnes, l'attitude et puis aussi la manière d'être de certaines personnes, de certains dirigeants. Donc quand on est dirigeant de club, il faut aussi avoir du respect vis-à-vis du public, parce que le public a payé sa place pour venir voir du football. Et aussi les téléspectateurs qui sont, devant leur poste de télévision, ils veulent regarder du spectacle et non ce genre de choses. Et puis, c'est tous ensemble qu'on doit trouver des solutions. C'est pas parce qu'on a été mis sur le banc des accusés parce que nos supporters se sont mal comportés qu'il faut qu'on continue là-dessus. Au contraire, on devrait faire, comme on dit, profil bas et puis essayer de trouver avec nos supporters et nos joueurs, nos dirigeants, comment on peut relever la tête et puis
essayer aussi d'apporter notre soutien au football. C'est pas en criant, en essayant de faire pression sur les arbitres ou sur le délégué que ça va avancer. Ok, président, bah, merci pour cette intervention à chaud. Alors forcément, la fédération certainement recommuniquera ou vous recommuniquerez dans la semaine sur cette affaire, entre guillemets, en tout cas cette mauvaise période qu'il va falloir vite traverser. On le souhaite à tous et à toutes. Et puis, on va appeler à la responsabilité de tout à chacun. Joueurs, c'est les joueurs, les dirigeants, les supporters. Il faut qu'on essaye d'être ensemble. C'est, le football, c'est une fête, c'est un partage. Et puis, même si on a tous envie de gagner, ben, des fois, ben, il faut savoir aussi perdre. Et puis, mettre, comme on dit, ben, son orgueil, son envie de gagner dans la poche avec le mouchoir par-dessus. Et puis, ben, le prochain match, eh ben, on va essayer de faire mieux. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a montré une très, très mauvaise image. Voilà, président, ben, on va se quitter malheureusement là-dessus. On va vous donner rendez-vous dans 2 semaines hein, pour la suite de la Super League. D'ici là, on espère qu'on en saura un peu plus sur ce match arrêté. Il y a aussi 2 matchs demain de Super League. Forcément, on s'excuse de ne pas avoir vu ce match arriver à terme. Surtout qu'on voyait un beau match et puis on avait vu de beaux arrêts, des beaux buts. Un beau but en tout cas, magnifique, celui de Georges Béarounet. Très beau. On avait vu 2 buts, mais un beau but surtout spectaculaire. Voilà. Et puis des beaux gestes, donc on va essayer de garder cette image positive. Il faut garder tout le positif et le négatif, on va essayer de l'effacer rapidement, mais avec ce qu'il faut aussi pour faire effacer tout ça. Voilà, bonne soirée à tous et puis on se dit à dans 2 semaines. Ciao. Merci.